proposer. Je vais passer le micro à Hélène juste avant, pendant que nous on était là toute la journée, à fausse rang de toute la puissance de notre matière grise et de notre intellect débridé. Les députés n'ont pas chômé. Et ils ont rencontré d'abord des médecins, des syndicalistes, des représentants du monde associatif autour des questions de santé et des politiques de l'ARS. Et ensuite ils ont rencontré des élus locaux, dont deux élus départementaux qui ont promis de donner leur signature à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, à Hélène. Merci et bonne soirée. Bravo. Bonjour, bonjour les insoumises, bonjour les insoumis, bonjour les sympathisantes, les sympathisants. Je suis très heureuse d'ouvrir ce meeting ce soir pour le lancement de notre campagne L'Union Populaire en Ille-et-Vilaine. Donc nous recevons nos amis députés, Hugo Bernalici et Alexis Corbière, qui vont à coup sûr nous donner une énergie supplémentaire pour cette campagne politiquement décisive. Nous sommes reconnaissants de l'immense travail du groupe des 17 députés insoumis et insoumises, aujourd'hui présidé par Mathilde Panot à l'Assemblée nationale. Des députés européens animés par Manon Gry, Emmanuel Bompard et leurs collaboratrices et collaborateurs. Toutes et tous n'ont eu de cesse de déposer des propositions de loi, des amendements pour contrer la vague réactionnaire des Playmobil d'En Marche, des réacs de droite, du poids des lobbies et du manque de clarté et de cohérence de quelques autres. Si certains se sont laissés berner par la disruption annoncée par Jupiter, ce n'était bien sûr que du marketing, pour asseoir encore et toujours les privilèges des plus riches, pour marchandiser toujours plus de services publics. Et chose plus grave pour notre démocratie, après la répression sanglante, la plus forte de notre Ve République envers les Gilets jaunes, mais aussi envers les syndicalistes et les militants environnementalistes, ils ont instauré des mesures liberticides qui dessinent un paysage peu enviable pour notre pays qu'il va falloir reconstruire lorsque nous serons au pouvoir. Tout à chacun peut ressentir dans sa vie quotidienne les méfaits des politiques libérales qui se sont instillées depuis des dizaines d'années en France. Accéder à un logement décent et peu cher, faire valoir ses droits au chômage ou à la CAF ou en tant que réfugié, faire appel à un inspecteur du travail pour un litige avec un employeur, prendre un rendez-vous chez son médecin, tout simplement, faire une carte grise. J'en passe. Par exemple, aussi entrer à l'université dans la filière de son choix, interdire les pesticides, dépolluer les côtes et les rivières. Tout cela devient ou un parcours du combattant ou une aggravation globale de notre environnement, malmenant ainsi toute la biodiversité. Nos services publics sont encore et toujours malmenés, maltraités. Par exemple, fermeture de 4 guichets à la gare de Rennes, entraînant des actions intersyndicales très suivies. Fermeture de bureaux de poste, de trésorerie, sont le lot quotidien de l'éloignement, le lot régulier de l'éloignement des services pour bon nombre d'usagers. Tout ne peut pas se faire en ligne. On en a parlé tout à l'heure avec les élus, c'est la dématérialisation. Ce n'est pas possible dans tous les domaines de la vie. Bien sûr, c'est une avancée, la technologie, mais l'humain, c'est quand même primordial, le lien. Donc, et d'ailleurs, notre campagne, c'est pareil, notre campagne ne se fera pas en ligne, hein. Ce sera à la rencontre des personnes, tout comme aujourd'hui, nous nous rassemblons, c'est important que nous tissions des liens pendant notre campagne. À l'éducation nationale, nos professeurs sont les plus mal payés d'Europe. Les effectifs des classes sont indécents. Les lycées professionnels sont abandonnés.
avec des manques de professeurs importants. Les services publics de l'orientation deviennent inexistants avec la fermeture ces dernières années de nombreux CIO. L'université est exsangue, bâtiment délabré, amphi surpeuplé, financement dévolu aux groupes privés. À l'échelle locale, nous voyons une mairie soi-disant socialiste et écologiste. Je ne sais pas si vous voyez de quelle mairie je veux parler. Cette mairie externalise le service offert à la population de creusement de tombes. Ce service public, du coup privatisé, va revenir à 3 fois plus cher aux familles endeuillées. Après, on nous dit que les fonctionnaires coûtent cher. Tout à l'heure, on a rencontré avec les députés les syndicalistes de l'hôpital public et ils nous ont décrit l'état vraiment inquiétant dans lequel se trouve notre hôpital aujourd'hui. La casse de l'hôpital public est orchestrée par la politique gouvernementale relayée par l'Agence régionale de santé. En Ille-et-Vilaine, les fusions de Rennes-Pontchaillou avec l'hôpital Fontenoy, Rennes-Sud, ainsi que celle de Dinan avec Saint-Malo, génèrent des suppressions de lits, de services d'urgence, vantant l'ambulatoire, l'hôpital à domicile, le tout sans aucune information chiffrée, méprisant tout dialogue social élémentaire. Gardons bien en mémoire que nous sommes le seul pays à avoir continué la suppression des lits en pleine pandémie. Le service de la psychiatrie est en grande souffrance également, avec des personnes hospitalisées pouvant être mises sous contention chimique ou physique par manque de personnel, ou d'autres laissées sans suivi par manque de capacité de soins en centre médico-psychologique. C'est déprimant. Lorsqu'on fait le constat de tout cela, c'est déprimant. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous savez que tout cela découle de choix politiques, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'une alternative est possible. Les services publics constituent le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi notre programme « L'avenir en commun » propose de reconstruire ces liens avec la population en tissant au plus près des personnes un ensemble de services leur permettant de s'émanciper et d'avoir une bonne vie, tout simplement. Oui, notre projet est de redonner l'espoir d'une vie meilleure. On est entre nous. Je vais vous faire une confidence. L'année 2022 est l'année des élections présidentielles. Législatives, bien sûr. On s'y prépare. Et nous sommes déjà dans des actions pour lutter contre l'abstention avec les caravanes populaires. Nous diffusons nos idées. Mais l'année 2022 prendra pour moi une couleur un peu particulière. En effet, je vais venir mamie pour la première fois. Oh. Et lorsque, comme tout militant ou militante, parfois lassé d'entendre toujours les mêmes arguments anti-Mélenchon ou de voir la vague abstentionniste affaiblir notre démocratie, j'ai la tentation de baisser les bras. Oui, je pense que ça peut arriver à tout à chacun, à tout militant. Eh bien, je me dis que non, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible, qu'on doit se bouger. Lorsqu'on sait qu'on va dans le mur, on est obligé. Et alors, pour ce petit être humain en devenir, oui, il nous faut nous battre pour nos valeurs humanistes et internationalistes. Et pour cela, nous avons notre programme, l'avenir en commun, un programme cohérent et juste pour un horizon positif. Avant de laisser la parole à ceux que vous êtes venus écouter, je vais rapidement vous les présenter. Donc Alexis Corbière est député dans la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Il est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et il est membre de la commission Défense et Armée à l'Assemblée nationale.
Il est membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale et rédacteur du livret Sécurité, la France insoumise. C'était pas trop le but de la soirée. Alors, merci déjà, parce que c'est toujours important de le rappeler et de le dire, et je veux pas qu'on l'oublie, que cette soirée, ce genre d'événement politique, est possible parce qu'il y a des camarades, femmes et hommes, qui préparent cette soirée, qui collent des affiches, qui distribuent des tracts, qui réservent la salle, qui font en sorte que ça se passe bien, qui mettent le petit chrono, qui nous ramènent les bouteilles d'eau, etc. Et toutes ces petites choses, c'est de ça dont sont faites les grandes campagnes électorales. Et je veux qu'on les applaudisse. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici, ce soir ? On vient faire campagne, c'est-à-dire faire en sorte que vous soyez toutes et tous convaincu des propositions qui sont dans le programme L'Avenir en commun et donc du bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon qui l'accompagne pour traduire cela en majorité populaire dans le pays. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que ce programme L'Avenir en commun ? On l'a dit, Hélène l'a dit, c'est, vous savez, le fil qui est là-bas sur les affiches qui symbolise l'harmonie. C'est cet objectif d'avoir une harmonie entre les hommes, entre eux, les hommes et les femmes, entre eux et entre elles, et en harmonie avec la nature qui nous entoure. Et c'est ça le projet de société, l'idéologie globale de ce qu'on raconte. Et on va, avec Alexis, égrener un certain nombre de thématiques et vous montrer comment toutes les propositions que nous formulons se tiennent les unes avec les autres dans ce but global d'harmonie sur la Terre, entre nous et avec la nature. C'est important de le redire, et de le dire souvent, vous savez, dans des discours on fait des discours de plusieurs heures, on vous égrène en disant oui, il faudrait ça sur le service public, il faudrait ça sur la santé, il faudrait ça sur la sécurité, et on en vient à oublier quel est l'objectif au fond. L'objectif, c'est le bonheur. C'est qu'on soit plus heureux, qu'on puisse avoir une vie digne, décente. Et ce ne sont pas des gros mots ou des mots à côté dans une campagne électorale. C'est le but, c'est l'objectif, et il faut qu'on le fasse ressentir à ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, et qui demain, je l'espère, mettront le bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon dans l'urne. Alors, pour commencer, on s'était dit que c'était bien de commencer par les services publics de proximité. Bon, alors, je ne vais pas en parler pendant 2 heures, parce qu'on pourrait, si je les égrenais un à un, mais c'est quand même un sujet extrêmement important, à la fois pour la ruralité, ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire, puisque tout s'éloigne, c'était dit par Hélène, c'est tout de suite de plus en plus compliqué d'avoir un bureau de poste, c'est de plus en plus compliqué d'avoir même une école, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des places de crèche, de plus en plus compliqué d'avoir un hôpital, ou en tout cas accès aux soins. On en a longuement discuté tout à l'heure, et les projets de fusion actuels ne vont pas dans le sens dont on entend aller. Mais c'est aussi, pas que pour la ruralité, y compris en ville. On voit que l'éloignement des services publics en ville, ça existe aussi. Un certain nombre de quartiers populaires qui se désertifient, du point de vue de l'accès aux droits. Et l'accès aux services publics, c'est l'accès aux droits. Parce que c'est bien beau d'avoir dans des programmes politiques, de faire des lois, ou d'avoir liberté, égalité, fraternité sur le frontispice des mairies, et d'avoir une loi qui dit vous avez le droit à un logement, s'il n'y a pas de logement à la fin, comment vous faites ? Vous avez le droit de vous faire d'être soigné, et si l'hôpital il est à 2 heures de route, comment vous faites ? Etc, etc. Donc il faut concrétiser ces droits pour que ce soit des droits effectifs et réels. Alors, les services publics de proximité. Nous avons une proposition dans le programme L'Avenir en commun, qui est la suivante, qui est de dire il faut que l'on puisse avoir accès aux services publics essentiels, principaux, entre 15 et 30 minutes, en fonction des types de services publics, mais en transport en commun ou en voiture. C'est-à-dire de repartir sur une conception d'un maillage territorial, une proximité géographique, concrète, humaine, on parlait des êtres humains dans les services publics, mais humaine, partout sur le territoire, et qu'il ne s'agit pas de dire « Ah oui, mais vous comprenez, c'est beaucoup plus rationnel, si je fusionne cet hôpital avec cet hôpital-là, on va faire des économies d'échelle, ça va me permettre d'avoir 10 personnels administratifs en moins dans le service comptabilité, parce que comme... » Non. Non. La proximité, oui, ça coûte un peu plus cher, mais on s'en fiche, parce que le gain en face, il est autrement plus important.
c'est l'effectivité des droits dans ce pays. Oui, nous devons avoir des droits effectifs et réels. Alors, dans ces services publics, il y a l'école. Et vous savez qu'il s'est continué de fermer des classes dans ce pays sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et il y en avait déjà eu un paquet de fermés sous la présidence de François Hollande. Et un paquet, encore plus, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il y a des types qui étaient déjà là sous Nicolas Sarkozy, je pense à Jean-Michel, hein, Jean-Michel Blanquer, vous connaissez tous, qui avait déjà sévi par le passé dans les administrations centrales pour M. Sarkozy. Ils viennent finir le boulot, et nous, on va se charger de prendre leur place pour remettre le pays d'aplomb. C'est ça l'objectif politique. Extrêmement déterminant et important qui participe de ce maillage territorial, il y a la poste, le bureau de poste. Parce que le bureau de poste, ça signifie plein de choses. Le courrier, évidemment, mais aussi, quand c'était encore public, maintenant ça n'est plus véritablement, en tout cas le statut a changé, c'était pour certains d'entre vous votre banque aussi, et puis c'est des services qui étaient rendus localement. Et alors ils ont tout détricoté. Et il vous explique maintenant que la poste doit aussi faire les relevés de compteurs. Extraordinaire. Ils ont tout démantelé pour ensuite refiler des missions à ceux qui les ont retirés, parce que, vous comprenez, il faut rationaliser. On marche complètement sur la tête. Ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin, c'est un maillage territorial du service postal, et nous en avons besoin aussi pour une chose bien précise, c'est que, vous l'avez remarqué, j'ai une petite coupure. Voilà, j'étais dans un tunnel. Et donc, c'est extrêmement important, pour une autre raison, c'est que vous savez, on commande de plus en plus des trucs sur Internet, on se fait livrer, etc. Bon. Déjà, faut remettre en place des commerces de proximité. Hein, faut parler de proximité, et ça, on sait le faire. Il faut arrêter d'autoriser la construction de grands centres commerciaux. C'est très compliqué. Et les plans locaux d'urbanisme, donc on peut les modifier. Arrêtez de construire des grands centres commerciaux pour revitaliser le commerce de proximité. Arrêtez de faire en sorte qu'Amazon s'installe partout là où il veut. Il y a deux projets qui ont capoté, et on peut applaudir les militantes et les militants qui, sur place, se sont battus pour ces entreprises. Mais à la fin, je suis par contre le fait qu'on commande un truc en ligne, qu'on se fasse livrer. Juste, il faut faire en sorte que ça ne vienne pas de l'autre bout de la planète, c'est le premier point, et qu'à la fin, le service de distribution, vous ayez les derniers kilomètres qui soient pris en considération avec un maillage territorial qui permette d'avoir un service postal de livraison digne de son nom. Pourquoi ça devrait être toutes les autres compagnies, TNT, machin, UPS et tout ce que vous connaissez, qui font les livraisons? Ça n'a pas de sens. C'est les mêmes camions qui pourraient être remplis deux fois plus puisqu'ils vont au même endroit. Et on vous a expliqué que non, il fallait de la concurrence, parce que vous comprenez, ça permet de tirer les prix vers le bas. Et d'ailleurs, on repart sur un autre point, c'est que ces services publics de proximité, il faut qu'ils soient publics. Il me paraît bizarre que je dise ça, mais vous voyez où je veux en venir. C'est qu'on est passé d'une définition notoirement différente de ce qu'est le service public, d'un service au public. Ça, c'est la définition européenne. Dans les traités, ils ont changé ça. Qu'est-ce que ça fait à la fin? C'est qu'on peut dire, mais c'est un service rendu au public. Ce n'est pas un service public au sens juridique du terme, public-privé. Et donc c'est comme ça qu'on va vous privatiser la gestion de l'eau localement, qu'on va vous faire une délégation de services publics pour les transports en commun, qu'on va vous faire des délégations de services publics, y compris pour la cantine scolaire, en passant par des grands groupes qui vous livrent des plateaux repas déjà tout faits. Ça, il faut revenir en arrière sur tout ça et redonner le caractère public à tous ces services. C'est indispensable et essentiel, parce que ça nous permet de nous réapproprier des droits, évidemment, mais aussi de se dire que, écoutez, quand c'est privatisé, il y avait quelqu'un qui prend une part du gâteau. Enfin, je veux dire, normalement, il n'y a pas d'entreprise privée qui fonctionne à perte, ça n'existe pas. Sauf que la part qu'ils prennent en plus, elle pourrait servir à autre chose. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout quand c'est un service public, une activité de réseau, essentielle et déterminante. Et puis, c'est aussi remettre en place des services publics partout de proximité, c'est se redonner du temps. Parce que vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du département pour avoir accès à telle ou telle chose, de reprendre la voiture, de devoir reprendre le train, etc. Et j'en finis sur cette premier élément, sur la question du ferroviaire, du train. Parce que vous savez que le débat a été animé à l'Assemblée, puisqu'ils ont terminé d'achever
la SNCF telle qu'on la connaît, l'ouverture à la concurrence, etc., et qu'on a vu des débats sur les petites lignes. Oui, mais vous comprenez, les gens ne prennent pas trop les petites lignes, etc. Mais je m'en fiche, il faut des petites lignes partout dans le pays parce qu'il faut que les gens reprennent le train. Et donc il faut des arrêts dans des petites communes de taille intermédiaire, parce que s'il n'y a plus l'arrêt de train, alors les gens ne vont plus habiter là, ils vont devoir se déplacer en ville, et il y aura de plus en plus de gens en ville, et de moins en moins à la campagne, et comme il y a de moins en moins de gens, on va fermer le bureau de poste, puis personne n'y vient, et puis la boulangerie elle va fermer, puisque les gens ils vont au supermarché, etc. Vous comprenez la logique générale que nous défendons, c'est pourquoi un maillage territorial du service public, y compris des transports en commun, et du ferroviaire principalement, est un enjeu d'intérêt général dans ce pays et d'aménagement du territoire. Et ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et c'est le moment où je passe au moins à Alexis, parce que. Le préparatrice pour qu'il se prépare. Parce que, en plus d'être utile démocratiquement, de se redonner du temps, c'est aussi utile pour la planète. Puisque je vous signale qu'il y a un petit enjeu, tout petit, une histoire de 1,5 degré, hein, et des rapports du GIEC qui nous alertent sur l'urgence d'agir dans tous les domaines, y compris les transports en commun, etc., hein, ça inclut les ferroviaires, pour qu'on ait encore une planète où la vie humaine est possible. Parce que c'est de ça dont on est en train de parler. C'est typiquement de ça dont on est en train de parler. Et ça, c'est Alexis qui s'en charge. Merci Hugo, mais c'est d'abord vous, il l'a fait, qu'il faut remercier. Vous avez compris l'exercice auquel on va se livrer, Hugo et moi, on me donne la parole, je le lui redonnerai dans un petit moment, il me la redonnera, et on va essayer comme ça de balayer les thèmes. Je ne sais pas si ça fonctionne, vous me direz à l'arrivée si c'est quelque chose de convaincant. De toute manière, vous êtes ici, vous êtes, peut-être certains amis nous rejoignent pour la première fois, mais pour l'essentiel, vous êtes des militantes et des militants. Des gens qui sont ici parce qu'il y a un programme. Un programme que vous connaissez, un programme auquel vous adhérez, un programme que vous voulez faire partager. Donc quelque part, ce qu'on essaie de faire avec Hugo, c'est mettre en mots des choses sur lesquelles, avant tout, là je vous montre des cahiers thématiques que vous avez déjà vus, et vous savez que le 18 novembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, sortira en librairie, mais pas seulement, parce que notre tâche sera d'aider à diffuser ça, une version actualisée du programme de Jean-Luc Mélenchon. À quel moment j'ai commencé à parler ? Ah, 11. Deuxièmement, donc je me dis nombre de choses, et méfiez-vous des gens qui n'ont pas de programme. Méfiez-vous des candidats qui n'ont pas de programme, ils sont dangereux. Méfiez-vous aux gens, ce sera ma dernière partie sur le problème que pose la 5ème République, j'y reviendrai. Mais méfiez-vous de cette floraison de candidats qui actuellement ne savent pas très bien pourquoi ils sont candidats, si ce n'est d'abord pour eux-mêmes. C'est pas bon dans une démocratie. Ça rend fou la 5ème République. J'y reviendrai. Nous, il y a un programme. Et il y a un candidat, il prend de la place, il est connu. Mais il y a un programme. Deuxièmement, un mot. Nous sommes le 13 novembre. N'oubliez pas, c'est... Faut-il utiliser le mot d'anniversaire. Il y a... En 2015, le 13 novembre 2015, notre pays était frappé par un terrible attentat qui a coûté la vie à 130 de nos concitoyens. En particulier, bien sûr... dans ce lieu de fête et de culture qui a été le Bataclan, mais pas seulement. Évidemment, nous avons une pensée pour toutes les victimes, leurs familles, le procès qui est en cours. Nous vomissons les fous prétendument se réclamant d'une religion, ces criminels, terroristes, islamistes, prêts à tuer des femmes, des hommes, des innocents. Et nous ne voulons pas aussi donner la victoire à ces fous. D'un seul coup, en participant à ce concert général de racisme qui est en train de se développer. Nous ne ferons pas ce cadeau aux assassins non plus. Et nous menons campagne dans ce moment difficile de notre pays, pris entre plusieurs blessures, d'un pays dont l'avenir est devenu incertain. Alors tout ça pour dire que Hugo, je suis censé parler de la partie écologie. Parce que parmi toutes les blessures du pays, et puis même s'il y a aussi... la crise écologique qui est en train de nous frapper. L'affaire est sérieuse. Pour ceux qui me connaissent, moi, quand j'ai commencé à militer, j'ai 53 ans, j'étais pas un militant écologiste.
J'étais sur le combat de la question sociale, de la question démocratique. Les inégalités sociales, comme vous, m'ont révolté. Mais j'étais dans une incompréhension de ce qui était en train d'avoir lieu. Je suis finalement revenir à ce que disait Karl Marx, pour ceux qui se réclament encore de ce penseur et homme d'action, que le capitalisme épuise l'homme et la nature. C'est non seulement un facteur d'exploitation de l'être humain, mais aussi, lui, il pensait ça déjà dès le 19e siècle, dans une forme de, comment dirais-je, de fulgurance intellectuelle, que ce système non seulement abîmait l'être humain, mais abîmait la nature. Nous en sommes là. Tout de même, Hélène, dans un moment d'optimisme, nous dit qu'elle va devenir grand-mère, et on la félicite et on embrasse la future maman, papa, etc., etc. Mais ce que nous dit le rapport du GIEC, ah, vous rigolez, mais vous avez ce que vous m'approchez, les amis, parce que le rapport du GIEC, le dernier, la nouvelle édition, est sorti cet été, le 9 août dernier. C'est le 6e rapport. Le rapport du GIEC, c'est sérieux. Hein. Moi, je veux bien que tout le monde se raconte sur Internet, mais là, c'est 234 scientifiques de 66 pays qui se basent sur 14 000 études. Donc, je me réclame et je vous invite à nous réclamer du sérieux de ce rapport. Et les quelques barjots illuminés qui voudraient remettre ça en cause, franchement, mettez de la distance avec eux. Non, mais parce qu'aujourd'hui, je comprends que beaucoup de gens se posent des questions, et une des vertus, après tout, c'est qu'on a accès tous à des éléments d'information, mais il faut arrêter le relativisme de tout. Là, c'est du lourd. Ou alors, moi, je ne suis pas scientifique, et donc je ne me prétends pas... Bref. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il semble évident que nous sommes engagés dès 2030, 10 ans plus tôt que ce que prévoyait le rapport précédent, à une augmentation de plus 1,5 degré Celsius. C'est 10 ans plus tôt que prévu, par rapport aux estimations qui étaient assez alarmantes du précédent rapport. Mais en réalité, il y a 5 scénarios qui sont mis en place, où il semblerait que, assez rapidement, nous allons avoir une augmentation entre 3,7 et 5,5 degrés. L'accord de Paris, qui n'est pas atteint, avait pour ambition de limiter à une augmentation de 2 degrés. Il semble clair qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, quoi qu'il arrive, il y aura des conséquences irréversibles pour des siècles et même pour des millénaires dans la modification du climat. En un siècle, les océans ont augmenté de plus 20 cm. Aujourd'hui, il semble qu'à fin 2100, il y ait 1 mètre, voire 2 mètres d'augmentation, notamment des océans, en raison du dérèglement climatique. Bref, je pourrais égrener toutes les choses. Dans tout ça, la responsabilité de l'activité humaine est sans équivoque, nous disent les scientifiques. Vous savez très bien que ce que veut dire la responsabilité de l'activité humaine, c'est la responsabilité notamment de ce capitalisme fou, de la recherche incessante de profit et de l'épuisement de la planète. Donc quand on est militant anticapitaliste, on est obligatoirement un militant de la cause écologique. Obligatoirement. Il y a une formule qui nous fait tous sourire, franchement. L'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. Et nous ne sommes pas là pour jardiner, même si l'activité est tout à fait là. Tout ça pour conséquence, concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère à un niveau sans précédent, jamais atteint depuis 2 millions d'années. Cela engage sans doute de manière assez irréversible la fonte de la calotte glaciaire, etc., etc. Je dis ça parce que quand Hélène nous parle de ce petit garçon ou cette petite fille qui va naître, et moi j'ai 3 enfants et ma dernière a 8 ans, ils vont connaître un monde où il est possible que le pôle Nord et le pôle Sud ne soient plus des lieux de calotte glaciaire comme on les a connus. Il est possible que la Camargue disparaisse. Il est possible aussi, on faisait le compte avec Delphine, indiscutablement Delphine qui travaille avec moi, ce sera des conséquences, même sur la Bretagne, à un niveau que je ne veux pas vous affoler, mais qui semble que beaucoup de communes soient concernées. En gros, on considère que cette augmentation va impacter 1,4 million de Français, 850 000 emplois, 864 communes menacées pour le simple impact de la montée des eaux. Donc le monde que nous avons devant nous est un monde qui va être totalement bouleversé par les effets de la modification du climat. Il faut que cette affaire soit au cœur de l'élection qui vient. Beaucoup d'autres sujets qu'on va mettre aussi doivent être au cœur. Mais il ne s'agit pas seulement d'être dans une forme de greenwashing où les uns et les autres prennent la pause à l'occasion de conférences. Vous avez vu les effets de la COP26, le président Macron est venu dire que cette fois-ci, avec quelques pays, il y a des engagements qui sont pris sans calendrier précis,
sans sanction véritable qui sont énoncées à ceux qui ne respecteraient pas les engagements. Et par ailleurs, les principaux pays pollueurs ne font même pas partie de ce groupe qu'a constitué la France. Ça, c'est à l'heure où je vous parle, les décisions, on met tous entre guillemets, de la COP26. De la même façon, alors il faut évidemment avancer vers des énergies non carbonées. Nous nous réclamons également dans cette campagne électorale d'un collectif de scientifiques, 10 scénarios négawatts, que vous connaissez peut-être, qui nous dit qu'il est possible d'avancer d'ici 2050 vers 100% d'énergie renouvelable. On ne va pas tricher. Évidemment, cela aura des conséquences, y compris sur le rapport que nous avons aujourd'hui à l'utilisation de l'énergie, à nos rapports de consommation. Évidemment, je rappelle que nos rapports de consommation ne sont pas des rapports totalement faits dans une liberté de conscience. Nous recevons chacun, chaque jour, 2200 messages publicitaires pour nous inviter à consommer. Donc on peut imaginer qu'une société débarrassée de cette injonction permanente à faire nous des consommateurs peut nous amener à avoir un rapport à la consommation différent. Mais oui, effectivement, il y aura aussi une nécessité de consommer mieux et de consommer moins. L'enjeu doit être un grand projet pour l'ensemble du pays. Sortir du nucléaire qui a assuré pendant un certain temps, je ne dirais pas tout à fait, notre indépendance énergétique, mais quand même, qui était au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un grand projet pour le pays qui a fait en sorte que nos scientifiques français, indiscutablement, ont permis de maîtriser cette énergie nucléaire et nous étions une des pointes avancées du savoir technologique. Mais cette même manière avec laquelle nous faisons confiance aux scientifiques doit nous amener à dire que cette intelligence mise au service de ce qu'était à ce moment-là l'énergie nucléaire doit être en capacité de comprendre ce que nous avons face à nous et d'avancer vers un pays qui essaie de sortir du nucléaire. Bien sûr, pas du jour au lendemain, c'est pas ça la discussion, c'est absurde. Et là encore, le temps file donc. D'ores et déjà, les centrales nucléaires que nous avons, les deux tiers arrivent à terme de la période, d'utilisation pour laquelle elles ont été construites. D'ores et déjà, quel que soit le président qui sera élu, il sera confronté à une grande question. Si vous voulez faire en sorte que nos centrales nucléaires continuent à être en l'état, il va falloir un grand plan que l'on appelle le grand carénage, qui permet que ces centrales nucléaires qui sont arrivées au terme de leurs 40 ans d'existence puissent encore fonctionner quelques décennies. Le grand carénage, c'est au minimum 100 milliards d'euros d'investissement. Donc la discussion, elle est significative. Enfin, je veux dire, personne ne peut biaiser. Le futur président de la République est-il d'accord pour investir 100 milliards pour qu'on reparte dans le nucléaire, ou est-ce que cet argent éventuellement investi pour essayer de sortir du nucléaire? Alors on nous dit que le nucléaire, bien sûr, ça n'a pas le même impact au niveau CO2, d'accord. Mais si vous avez une montée des eaux, enfin vous avez entendu Mélenchon raconter ce que je suis en train de vous dire, il le dit mieux que moi d'ailleurs, que vous avez nombre de centrales nucléaires qui sont proches de cours d'eau, on a quand même un problème. Si vous avez un réchauffement de la planète qui modifie le climat, qui amène à ce que des périodes de sécheresse, d'incendie, lorsqu'il y a eu la grande sécheresse la dernière fois, vous avez eu, je crois, près de 20% de nos centrales nucléaires qui ont arrêté momentanément de fonctionner. C'est trop chaud. Donc, toutes ces affaires-là, on peut toujours dire, hein, bien sûr, les eaux centrales, elles sont sécures, etc. Bien sûr, mais nul ne peut nier le pourcentage de danger. Et là, vous avez quelque chose qui a un impact, hein, je crois que c'est plus de 40% de la population qui vit à moins de 100 km d'une centrale nucléaire. Donc tout ça, c'est des discussions qu'il faut avoir à l'occasion de cette élection. Nous, on avance, drapeau déployé, dans cette discussion qui doit être sans biaiser, pas de manière politicienne. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue à avoir un mode de production qui fiche en l'air la planète? Est-ce qu'on considère que notre grand pays ne peut pas imaginer autre chose que l'énergie nucléaire? Ou est-ce qu'on pense que pour toute une série d'éléments que j'ai donnés, que vous connaissez, y compris en termes d'indépendance énergétique, si on prend cette question, le nucléaire n'assure pas notre indépendance énergétique, nous avons besoin d'uranium. Il est où l'uranium? Il est souvent dans des pays, Niger, Mali, où comme par hasard nos troupes françaises sont présentes, ou pas loin. Et d'ailleurs, il y a un lien en vérité. Hein, parce qu'on ne se désintéresse pas à l'endroit. Donc notre indépendance énergétique, entre guillemets, entraîne en réalité à ce qu'au niveau de géopolitique, nous participons à une présence militaire qui n'est jamais discutée à l'Assemblée nationale d'ailleurs, et je reviendrai là-dessus sur cet aspect-là. Bref, voyez tout l'enjeu dans lequel nous nous engageons. Déjà, je suis trop long, mais c'était l'aspect, la partie écologie. Donc, les choses sont claires. Nous voulons, dans cette campagne, poser les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous ne biaisons pas, ce n'est pas dans le cadre de ce mode de production qu'on arrivera à être à la hauteur du défi. Deuxièmement, nous engageons aussi dans cette campagne la discussion de dire, face à tous ces enjeux,
Les scientifiques, notamment, ont organisé dans ce qu'on appelle le scénario 10 mégawatts, dit qu'il est possible, à échéance de 2050, d'aller vers 100% d'énergie renouvelable. Évidemment, dans le cadre d'un grand plan qui concernerait l'ensemble du pays et qui pourrait être créateur de près de 700 000 emplois. Ça veut dire à tous nos scientifiques, à toute notre jeunesse, à notre enseignement professionnel, on dit voilà le plan désormais, comment on développe l'éolien, comment on développe l'énergie solaire, etc. etc. Peut-être qu'à l'arrivée, ce ne sera pas tout à fait 2050, peut-être que ce sera une décennie de plus, que sais-je, mais un pays entier sera mobilisé autour de cet objectif. Et comme l'enjeu, en plus, il n'est pas seulement cocardier dans le cadre de nos frontières, c'est un enjeu universel. D'autres pays verront ce qu'on est en train de faire. Peut-être d'ailleurs nous aiderons à avancer. La question, c'est comment collectivement on prend en charge cette tâche, ou est-ce qu'on considère que business is business, et après tout, on en reste là, et puis tant pis pour la petite fille d'Hélène, elle se débrouillera, hein, après nous le déluge. Comme nous, nous sommes aussi des humanistes, et que notre engagement politique n'est pas seulement à l'aune de notre propre vie, mais à l'échelle aussi d'une certaine conception de l'humanité, où nous sommes des maillons d'une longue chaîne. Le combat que nous menons, nous acceptons l'idée peut-être que nous n'allons pas l'emporter au niveau, à notre niveau personnel. Et je dis cette affaire comme sur le combat social et tout le reste. Peut-être que nous ne gagnerons pas directement la lutte, peut-être que c'est pendant cette élection qu'on va gagner, mais nous sommes convaincus d'une chose, c'est que le combat que nous menons sera autant de sources d'enrichissement, de sources d'intuition, de sources d'inspiration pour les générations futures pour continuer à mener ce combat. Et que le jour où plus personne ne mènera ce combat, et bien là l'humanité aura terminé. Parce que toute l'histoire de l'humanité est dans la volonté de liberté, d'émancipation, de justice. Et voilà, et j'ai terminé ma partie, Hugo, à toi. Bon, c'est vrai que la question du nucléaire est centrale. Bon, ceci étant dit, je lui avais prêté en plus, je lui avais prêté ce bon mot et il ne l'a pas employé. Mais faites attention quand même, parce que Macron, avec ses mini-centrales, ses SMR, vous allez, vous aussi, les Bretons, vous en mangez quelques-uns, hein, vous pensiez épargner. Et puis il y a ceux qui nous disent « Ah, j'aime pas les éoliennes parce que c'est pas beau dans le paysage bah, », vous apprécierez les réacteurs, hein, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus joli. Quoi, hein, bon, je préfère encore des balles bien profilées que des énormes réacteurs. Bon. Ceci étant dit, je vais un peu bifurquer sur un autre sujet qui n'est pas complètement éloigné, parce que pour faire la transition, la question de la bataille environnementale et écologique dans ce pays, elle est menée aussi par des voix qui sont des voix militantes un peu particulières, auxquelles on ne pense pas forcément spontanément. Et il y a deux choses sur la question environnementale. Il y a un, le procès qui a été fait pour inaction sur le climat devant la justice administrative. Et victoire a été obtenue par l'affaire du siècle, vous savez, vous avez sans doute pétitionné à l'époque, et on peut féliciter les militantes et les militants qui ont tenu bon devant les tribunaux jusqu'au bout pour faire condamner l'État. Bon, une fois qu'il est condamné, vaut mieux prendre le programme L'Avenir en commun pour la suite pour éviter d'être condamné. C'est ça le message politique. Hein. Et deuxième élément, ce sont les décrocheurs de portraits. Vous savez que on les a soutenus, il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont, je parle des insoumis, qui sont allés eux-mêmes décrocher des portraits. Moi-même, je me suis rendu au procès de mon camarade Gaspard Fontaine à Amiens, qui était allé décrocher dans le fief natal du président de la République son portrait, et on a obtenu la relaxe. En première instance, il passait en appel la semaine dernière, le mercredi, il passait en appel, d'ailleurs, pour être précis. Bon, le procureur l'a traité d'ennemi de la République, hein, c'est vous dire où on en est. Vous dire qu'il y a un petit souci avec la justice dans ce pays, pas juste la justice climatique, pas juste la justice sociale, mais la justice tout court, en tout cas l'institution judiciaire. Et cette institution judiciaire, je vais vous en parler un petit peu, et pour bien faire, on aurait voulu que ça arrive, que l'on n'a pas réussi, il se trouve qu'il y a eu, j'ai demandé aux camarades de l'imprimer, une assemblée des magistrats du siège, oui parce que ceux du parquet, procureurs, eux, s'ils commencent à ouvrir leur bouche pour se plaindre, ça risque de mal se passer vu qu'ils sont soumis à l'autorité hiérarchique directe du ministre, hein, comme vous le savez. Donc il y a une assemblée générale des magistrats du tribunal judiciaire de Rennes, réunie le 10 novembre 2021. Tout frais, ça sort. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas ce que raconte Dupond-Moretti. Parce que Dupond-Moretti, vous l'avez entendu, il vous a expliqué, il a encore fait une interview là, hier,
pour dire que maintenant la justice a les moyens de fonctionner. C'est plus un problème de moyens, c'est un problème d'organisation du travail. Enfin quoi, non, c'est pas ça. On nous aurait menti. Alors, que disent les magistrats? Pas les gouvernants ici, hein, les magistrats de Rennes, de chez vous. Ils constatent le décalage grandissant entre les effectifs théoriques des magistrats du siège du tribunal judiciaire de Rennes et ses besoins réels. Première nouvelle. Et soutient que les perspectives de renforcement de l'équipe autour du magistrat ne sont pas de nature à résoudre le problème. Alors, j'ai mis un petit astérix en disant 47 postes théoriques de magistrats au tribunal de Rennes pour 903 056 habitants, et qu'à titre de comparaison, ils mettent par exemple à Strasbourg, il y a 67 postes au tribunal pour 830 000 habitants. Alors bon, c'est vrai que Rennes est moins bien dotée que d'autres tribunaux, mais en fait, les tribunaux sont moins bien dotés que de tout court. Voilà. Et que nos voisins allemands, on prend souvent cet exemple-là, mais il est vrai, la dépense par habitant en matière de justice en Allemagne est quasiment deux fois supérieure. C'est autour de 120 euros, alors que nous, on est à 63 ou 64 euros par habitant en dépense de justice. Et quand vous regardez le nombre de magistrats par habitant, il y a deux fois moins de magistrats par habitant en France qu'en Allemagne. Donc comment vous voulez rendre des décisions rapides dans ces conditions-là? C'est juste pas possible. Alors là, je voyais, je ne sais plus dans quel tribunal, en région parisienne, au Prud'homme, il y a des dates d'audience qui sont fixées pour 2025. Non, c'est pour de vrai. Et donc l'autre arrive, l'autre c'est du convoiti. Non, mais ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Les moyens sont là. Parce qu'ils ont dit, on augmente le budget de la justice, 8% l'année dernière et 8% cette année. Alors c'est presque vrai, c'est 6,7% l'année dernière et ce sera 8% cette année. Mais l'essentiel de cette augmentation, elle va où? Parce que le budget justice, est-ce que vous savez ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a, bon, les tribunaux, ça vous en doutez. Et ça, c'est qu'un petit bout. Hein. C'est ce qu'on appelle justice judiciaire dans le budget. Mais ensuite, vous avez surtout un autre gros morceau qui s'appelle administration pénitentiaire. Et forcément, quand vous êtes de droite comme Emmanuel Macron, ben vous voulez construire plus de places de prison. Parce que vous n'avez pas tout bien compris l'enjeu de notre société. Et vous n'avez sans doute pas lu les rapports du Conseil économique, social et environnemental, notamment, mais il y en a plein des rapports, qui expliquent que quand vous êtes incarcéré, vous avez de grandes chances de l'être à nouveau, c'est-à-dire que la prison est plutôt un facteur de récidive que le contraire. Or, l'objectif politique qu'on doit se fixer, c'est comment on fait pour qu'il y ait moins de récidive, pas comment on fait pour qu'il y ait plus de prison. Et d'ailleurs, on a remarqué que quand on mettait de l'argent dans ce qui s'appelle les alternatives à l'incarcération, donc les peines de probation, type travail d'intérêt général, type des stages dans des associations, il y a tout un tas de mesures qui sont possibles comme ça. Un, ça coûte moins cher, et deux, il y a moins de récidive. Alors qu'est-ce qu'on veut? Et donc cette augmentation du budget de 8%, l'essentiel va dans la construction de places de prison. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il n'y en ait plus assez pour les magistrats derrière et pour les tribunaux. Parce que combien c'est l'augmentation du nombre de magistrats pour 2022? Est-ce que vous savez? Et parce qu'ils augmentent les postes quand même, c'est vrai. Plus 50 sur 9000 magistrats. Voilà, voilà. Donc, il n'y en aura pas beaucoup pour Rennes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, ils prennent acte, hein, ensuite, derrière. Ils rappellent d'ailleurs qu'on regarde les postes vacants, des arrêts maladie, des décharges, temps partiel, l'effectif réel des magistrats du siège du tribunal judiciaire de Rennes sera de moins de 43 magistrats en janvier 2022. Donc tout ça, c'est du pipeau. Et il est urgent qu'on redonne les moyens à la justice de fonctionner dans ce pays. Et je vous ai un peu parlé des prisons et donc du pénal, mais en réalité, j'ai cité les prisons juste avant, et il y a un autre élément, c'est la justice civile en général, et celle qu'on connaît le plus, parce que c'est la plus active, c'est les juges aux affaires familiales, les affaires familiales, qui sont l'essentiel des décisions qui sont rendues dans ce pays. Les trois quarts d'activité d'un tribunal, ce sont les affaires civiles, c'est pas le pénal. Vous savez qu'on focalise beaucoup là-dessus dans le discours public et médiatique. Bon, c'est peut-être la faute à CNews et à quelques autres, mais l'essentiel de l'activité de justice, c'est celle-là. Et celle-là, il leur faut plus de moyens, c'est tout. Vous pouvez pas non plus avoir une décision pour un juge aux affaires familiales de 18 mois ou de 24 mois. Parce que qu'est-ce que c'est derrière? C'est une réalité concrète de la garde des enfants, comment ça va fonctionner, la pension alimentaire, etc. Et que ces problèmes que vous ne réglez pas, vous en créez d'autres à la place, en attendant. Donc nous avons besoin des moyens
pour cette justice, je rappelle, justice qui est censée être rendue au nom du peuple. Et j'en viens à la nécessaire réforme de l'institution judiciaire. Vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'apprends, j'ai présidé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et on l'a fait, on s'en est pas caché, on l'a fait suite à ce qui s'est passé pour nous, pour le mouvement de la France insoumise, avec les perquisitions, etc. Parce qu'on s'est dit, attendez, c'est quoi ce truc? Ça ressemble quand même vachement à une instrumentalisation politique des moyens de police et des moyens judiciaires. Je crois qu'on ne s'est pas trop trompé, d'ailleurs, sur le constat de l'analyse. Et alors, on a réfléchi, et on a remarqué quand même qu'il y avait 2-3 bricoles à changer pour la justice dans ce pays. Je vous fais les propositions qui sont dans le programme d'avenir commun, que vous découvrirez dans 5 jours. Mais si vous m'avez déjà écouté, vous savez déjà à peu près ce qu'il y aura dans le programme d'avenir en commun. Mais pour que cette justice soit rendue au nom du peuple français, il faut qu'il y ait une indépendance de l'exécutif, une indépendance absolue, une indépendance vis-à-vis de l'exécutif dans la nomination des magistrats du siège, ce qui est déjà quasiment le cas, ça comme ça, et du parquet. Et du parquet. Comment on fait ça? Il faut donner la mission au Conseil supérieur de la magistrature de pouvoir nommer les magistrats du parquet dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que le Conseil supérieur de la magistrature, il puisse choisir lui-même dans le vivier de candidats, auditionner les candidats et décider qui sera nommé. Parce que comment ça se passe aujourd'hui? Je donne un petit exemple, j'essaie de ne pas être trop long. Petit exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pour le parquet de Paris au tout début du mandat? Il y avait 3 candidats pour être procureur de Paris. Mais quels étaient ces 3 candidats? En fait, c'est le ministère de la Justice qui propose ces candidats au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature fait une audition. Bonjour monsieur, alors c'est quoi votre carrière? Pourquoi vous êtes procureur de Paris? Blablabla, etc. Et ils rendent un avis. Un avis simple, en fait. Ils disent oui, il peut être procureur de Paris, ou non, il ne peut pas être procureur de Paris. Et ensuite, tous ceux qui ont un avis, c'est quand même le pouvoir politique qui décide de qui sera procureur de la République à Paris. Et jusqu'à présent, ils ont toujours suivi l'avis conforme. On va dire ça comme ça. Depuis Rachida Dati, qui elle avait mis quelqu'un d'autre à la place d'un procureur et avait contrevenu à ce qu'avait raconté le Conseil supérieur de la magistrature. Mais alors, les 3 candidats, le problème, alors qu'ils étaient proposés par Belloubet à l'époque, n'allaient pas à Emmanuel Macron. Ça ne lui allait pas. Peut-être parce que dedans, il y avait le procureur de Lyon, puis qu'il y avait des histoires sur des ouvertures d'enquête, sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Enfin bref. Peut-être que ça a un lien. Voilà, je dis ça comme ça en passant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah ben les 3, dehors. Ils ont rayé les 3 candidats. Et ils ont recommencé le circuit. Ils en ont proposé un seul. Ça, c'est l'idée de choisir, en fait, dans l'idée. Ils ont proposé Rémi Hetz, qui est devenu procureur de Paris ensuite, et qui venait de où? Qui était directeur d'administration centrale du ministère de la Justice, pendant que Belloubet était ministre. Ils ont mis un de leurs mecs, très concrètement. C'est le même Rémi Hetz qui, d'ailleurs, a appliqué des circulaires de politique pénale contre les Gilets jaunes, avec cette note au substitut du procureur à Paris, en disant... Vous devez garder le plus longtemps possible les gens en garde à vue, même si vous n'avez pas suffisamment d'éléments contre eux. Extraordinaire! Dans un état de droit, un procureur dit « je peux retenir des gens ». Arbitrairement, c'est ça que ça veut dire, c'est de la détention arbitraire. Pays des droits de l'homme, état de droit, etc. Tout ça foulé au pied par quelqu'un qui a été nommé par le pouvoir politique pour faire une tâche politique. Alors qu'il est censé appliquer la loi, rien que la loi et toute la loi. C'est pourquoi, le moment venu, nous instaurerons une loi de politique judiciaire dans ce pays, que devront suivre les magistrats nommés indépendamment par le CSM. Mais c'est ça qu'ils appliqueront. On arrête les circulaires de politique pénale, le fait du prince. Il y a des gilets jaunes, matérés, circulaires, paf. Il y a un mouvement passe sanitaire, paf. Je veux une circulaire de politique pénale, vous devez réprimer fermement tous ceux qui s'attaquent, je ne sais pas trop quoi, etc. C'est insupportable. Nous avons besoin de retrouver de la sérénité pour la justice dans ce pays. C'est la condition sine qua non pour qu'on y retrouve de la confiance en elle. Parce qu'il y a une crise de confiance envers l'institution judiciaire. Personne ne croit à ce machin. Tout le monde se dit, de toute façon, quand vous êtes puissant, vous en sortez bien. Quand vous êtes misérable, vous allez en prison. Et quand vous regardez le fonctionnement des comparutions immédiates que nous supprimons, je vous le dis, c'est la principale méthode pour remplir les prisons, la comparution immédiate. On dit la justice est trop lente. Ah ouais, ça dépend, hein, parce qu'il y a des fois, en 24 heures, paf, vous êtes en prison. J'arrête de dire paf.
Donc, c'est extrêmement important de faire cette réforme du CSM. Et là, je tends une perche à mon collègue, et camarade et ami Alexis Corbière. Pas la perche pour tout de suite, mais pour après, parce que tout ça, c'est des réformes constitutionnelles. D'où l'intérêt de la 6e et celle dont on parlera tout à l'heure. Là, je vais lui passer le témoin, parce que la question de la justice, on l'a dit tout à l'heure en fait, c'est la justice climatique, mais c'est aussi la justice sociale. Et une justice qui fonctionne, un ministère de la justice, une institution judiciaire, une magistrature qui fonctionne, c'est aussi un moyen d'apaisement social. D'apaisement social. Et c'est pourquoi cette thématique nous est particulièrement chère. Vous savez qu'on s'est battu dans ces fusions de tribunaux judiciaires, puisqu'ils ont supprimé les tribunaux d'instance, qui sont les tribunaux pour les plus précaires dans ce pays, qui sont dans des rapports du faible au fort. D'ailleurs, ils ont appelé ça le juge de la protection, histoire de dire qu'on continue de protéger les gens. Mais finalement, c'est cette justice qui est à la ramasse, celle-là particulièrement, qui manque de moyens et qui finit d'enterrer socialement des gens qui sont déjà dans la panade. Et ça, c'est pas acceptable, c'est pas satisfaisant. C'est pourquoi je pense, et nous pensons fondamentalement, que cette campagne présidentielle, nous la gagnerons parce qu'on a plein de super propositions, on vient de nous en faire, ça c'est vrai, mais surtout parce que nous mettrons au centre la question sociale. La question sociale, la question des salaires, des retraites, etc. Et là, c'est Alexis qui s'y peut. Merci beaucoup. Bon, tout à l'heure, je vous ai un peu mis en coup moral, mais ça va mieux. La France va mieux. Le président l'a dit, les différents porte-parole du République En Marche l'a dit. Va mieux. Le chômage a reculé. Vous l'avez remarqué. Ça va mieux. Alors, il y a plus de 10 millions de personnes actuellement en France sous seuil de pauvreté, c'est-à-dire des gens qui sont à moins de 850 euros par mois. Ça veut dire 2 millions de pauvres de plus qu'en 2017 quand M. Macron a été élu. Et ça va mieux. Il y a actuellement 20% des 2,7 millions d'étudiants en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça va mieux. Il y a 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. En 2020, il y a la moitié des Français, la moitié, qui ont restreint leur chauffage pour contenir leurs factures, selon le médiateur national de l'énergie. Et depuis l'ouverture de la concurrence, vous savez, c'est la concurrence qui est ce truc qui fait baisser les prix, là. Là, apparemment, ça n'a pas marché parce que les prix, ils ont augmenté de 80% pour l'électricité et 105% pour le gaz. Mais ça va mieux. Vous êtes au courant. Retenez-le parce qu'on va vous le dire pendant la campagne. Aujourd'hui, un Français sur cinq déclare se priver d'un repas faute de moyens suffisants. Et il y a 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Alors parfois, les macronistes, dans un moment d'humilité, arrêtent de dire que ça va mieux et disent « Non mais ça pourrait être pire. » C'est pas faux. Mais quand on est républicain, vous savez ce mot sans cesse répété, et j'ai la peine d'opinion qu'ici dans cette salle, il y a des gens qui ont une certaine idée de la République. La pauvreté, c'est pas un à côté du problème. La République, si elle n'est pas sociale, qu'est-ce qu'elle est ? Une simple forme d'organisation de la société, bof bof. Surtout dans ce pays, le mot a été utilisé dans notre pays, la République, elle est née dans une certaine conception où c'est le peuple qui reprenait sa souveraineté. Et si cette révolution française a tant fait parler d'elle, c'est qu'elle a mis la question sur ça. Les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître à ceux qui les méprisent, disait Saint-Just. L'affaire vient de loin, hein. Et c'est autour de cette question-là que la Révolution française a pris la dynamique que vous savez, où on a fixé des prix au maximum, etc., etc. Mais je reviens à l'actualité, peut-être que là on parlera plus de la Révolution française. Alors ça va mieux, ça va mieux, là ça va mieux. La fortune des 500 Français les plus riches a doublé grâce à Emmanuel Macron. Là, ça va mieux. Ça va mieux aussi sur monsieur Bernard Arnault. Alors lui, ça va mieux en 6 secondes. Il gagne autant qu'un travailleur, un travailleur moyen, que ce que gagne un travailleur moyen en un an de travail, 806 secondes. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Les milliardaires, en pleine crise du Covid, vous savez, quand c'était la guerre et qu'il fallait faire un effort, tout ça, bon, ils ont fait un effort, enfin, leur fortune a quand même augmenté de 55%.
ça va mieux. Et selon le rapport France Stratégie, vous savez ce par quoi le quinquennat Macron a commencé la suppression de l'ISF, qui a quand même fait 4 milliards de recettes en moins chaque année à l'État, c'est quand même pas rien. Dont on nous avait dit, c'est Madame Schiappa, je crois qu'il avait dit, mais le gouvernement avait dit, si ça ne fonctionne pas cette affaire, si ça ne ruisselle pas, c'est les taux du ruissellement, l'exercice, on la rétablira. Bon, vous avez suivi simplement, pas de bol, France Stratégie. France Stratégie, c'est un organe auquel ils avaient même changé de président parce qu'il n'était pas assez macroniste. Donc là, ils ne peuvent pas nous prendre à défaut de nous inspirer quelque chose. Eh bien, France Stratégie a dit que ça n'a pas fonctionné, la suppression de l'ISF, et que ça n'a pas eu pour effet la croissance du patrimoine des plus riches et aucun effet sur la croissance de l'emploi. Voilà. Bon, rassurez-vous, en pleine crise sanitaire, le patrimoine des plus riches de ce pays a augmenté de 30%. Là, ça va mieux. Les multinationales, les entreprises françaises du CAC 40 ont distribué 51 milliards d'euros en 2021. C'est record. Les entreprises françaises du CAC 40 ont en total, là aussi on s'en est aperçu grâce à différents rapports de l'Oxfam, 1454 filiales dans des paradis fiscaux qui échappent à l'impôt. Bon. Ça représente, on estime tout ça, entre 80 et 100 milliards d'euros chaque année qui échappent à ce que, comment dirais-je, aux caisses de l'État. Les GAFA ont transféré chaque année près de 9 milliards d'euros vers les paradis fiscaux, etc. etc. Bon, vous avez compris le sens de ma démonstration. Il est temps d'agir. Il est temps qu'un gouvernement tranquille, paisible, pas excessif, les gens normaux arrivent en responsabilité et disent, bon là, on remet les choses à l'ordre. Priorité à la lutte contre la pauvreté. On bloque les prix. Si vous voulez vraiment que tout le monde consomme chaque jour ces trois fruits dont il paraît que c'est un défense, 5 fruits, eh bien on va faire en sorte que les gens puissent les payer. On va bloquer des produits de première nécessité pour pas que ce soit inaccessible pour nos concitoyens. On va créer un pôle public de l'énergie afin de mettre fin à cette libéralisation qui a fait exploser les prix. On va arrêter en plus ce système où c'est par l'impôt et l'argent public qu'on verse 100 euros pour que les opérateurs privés qui font des bénéfices continuent à verser aux actionnaires. Il ne faut quand même pas déconner. C'est donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. Le truc, c'est par l'impôt, par l'argent public, je donne ce que. Ça ne va pas. Etc. etc. Idem sur l'année blanche, si nous arrivons en responsabilité, pour les profits du CAC 40. Il faut faire un effort, nous dit le président, tout le monde a fait un effort, et bien aussi les plus riches vont faire un effort, et ils vont accepter, bien sûr, à ce qu'il y ait une année où il n'y ait pas de surprofit, vu que nous sommes en situation de difficulté. Il s'agit de taxer les profiteurs de crise, il s'agit de donner des moyens à nos services, des impôts notamment, où il y a eu nombre de suppressions de postes dans ces services-là, pour qu'ils puissent mener la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il s'agit aussi de rétablir l'ISF, qui est la moindre des choses. Bref, le social, ça a été dit, parlons clair, dans un vocabulaire que tout le monde comprend. Oui, avec Jean-Luc Mélenchon, il y aura le retour à la retraite à 60 ans. C'est un droit. C'est possible. Emmanuel Macron avait déclaré, il l'avait déclaré à l'occasion de la campagne présidentielle, les demandeurs d'emploi, non pardon, là, je suis sur la retraite, Emmanuel Macron, c'est une citation qu'il avait dit, mais vous vous en souvenez, concernant la retraite, je ne rallongerai pas la durée de cotisation et l'âge de la retraite. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Les mésaventures, et notamment pas seulement le Covid, mais aussi un peu le barouf qu'on avait mis à l'Assemblée nationale sur quelques sujets, les empêcher de faire leur effet. Et vous avez observé qu'à l'occasion de la dernière allocation du président de la République, pour vous annoncer qu'il faudrait une troisième dose, etc., etc. Et par ailleurs, vaccinez-vous, moi c'est le conseil que je vous donne, il n'y a pas de discussion là-dessus, du moins de mon point de vue, en particulier ceux qui sont les plus anciens, mais il en a profité pour nous dire qu'il faudrait faire une réforme des retraites. En gros, si vous votez pour moi, je le ferai. Et il prévoit notamment de rallonger la durée du temps de travail pour qu'on puisse bénéficier d'une retraite. Les arguments, vous les avez entendus, je vous en redonne quelques-uns. Aujourd'hui, l'âge moyen en bonne santé, c'est 63,4 ans pour un homme. Si on repousse l'âge de la retraite, parce que c'est ça, on allonge la durée de cotisation, eh bien, vous allez avoir une situation où la moitié de nos concitoyens qui vont partir à la retraite risquent de faire cette retraite dans des conditions de détérioration de leur santé. Et si, par ailleurs, on a réussi ces dernières années, c'est plus tout à fait le cas, à faire en sorte que l'on vit plus longtemps, c'est parce que, précisément, il y a eu des avancées sociales aussi significatives que le droit à la retraite.
En gros, précisément, c'est parce qu'on arrête de travailler à un moment donné que l'on vit longtemps, et c'est pas parce qu'on vit plus longtemps qu'il faut travailler plus. C'est précisément le raisonnement inverse qu'on veut appliquer. Surtout, si vous avez dit tout à l'heure, la même répartition des richesses qui pourrait envisager les choses autrement. Et cette affaire doit être claire, me semble-t-il, dans les revendications que nous portons à l'occasion de cette campagne électorale. Le système de la retraite à points, vous avez vu, c'est une horreur. Ça consiste à considérer que selon la génération dont vous faites partie, et le nombre de gens qui font partie de cette génération, le nombre de gens qui ont cotisé, vous pourrez bénéficier d'un taux de retraite différent selon l'équipe dans laquelle vous êtes. Ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon, avec l'humour qu'on lui connaît, mais j'avais trouvé ça assez drôle dernièrement, vous l'avez peut-être entendu, amené à ce que, si le système de la retraite à points était mis en place, on va plus regarder les uns les autres, comme, et en se posant la question classique, « Ah, est-ce que tu vas bien ?» Mais plutôt, il vaudrait mieux que les gens de ma génération aillent mal, parce que plus il y en a qui mourront, plus mon taux de retraite montera. Je caricature à peine, c'est le système. Donc, ce système n'est pas un système de solidarité, tel que c'est basé aujourd'hui, mais au contraire, un système de compétition et d'intérêt à ce que la détérioration de santé de vos collègues de boulot se mettent à l'œuvre. Oui, nous sommes pour la baisse du temps de travail et nous sommes pour la semaine de 32 heures payée 35 parce que nous pensons que libérer du temps, c'est utile pour l'ensemble de la société. Le partage du temps de travail est aussi un moyen de permettre à ce que les plus jeunes générations puissent rentrer sur le marché du travail. Oui, nous pensons qu'il faut renforcer le plan d'emploi pour l'accompagnement des personnes privées d'emploi. Oui, nous pensons qu'il est scandaleux la mise en place de cette réforme de l'assurance chômage, ce scandale véritable, répéter la réalité, 1,15 million de chômeurs de ce pays vont perdre 17% en moyenne de leur indemnité. C'est ça la réalité. 40% des indemnisés vont perdre jusqu'à 43% de leur chômage. Ils vont ainsi faire 2,3 milliards sur le dos de ceux qui sont actuellement au chômage. Voilà la réforme qui a été mise en place depuis le 1er novembre. Et évidemment, le mandat que nous donnons à Jean-Luc Mélenchon, s'il arrive en responsabilité, avec une majorité qui lui serait en soutien, c'est évidemment de remettre en cause et d'abroger cette réforme scandaleuse de l'assurance chômage. Voilà, les amis, les axes sur lesquels nous avançons. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Le grand mouvement du social, le candidat du social dans cette élection présidentielle, c'est le candidat de l'Union populaire. Dites-le. Et il a le mérite en plus, à la différence d'autres, de ne pas être un candidat qui parle social quand il est dans l'opposition, mais qui fait claquer le fouet quand il est arrivé en responsabilité comme certains. Je termine là-dessus. On n'a pas oublié qui a fait la belle connerie et de quel parti elle faisait partie. D'accord ? Monsieur Hollande, si vous nous regardez, votre livre, là, le titre c'est « Affronter ». Moi je lui propose de changer d'une lettre. « Effronter ». La définition du larron, c'est qu'il n'a honte de rien. Lui, il vient de nous reparler de ce qu'il faudrait faire. Lui, c'était un socialiste qui a facilité les licenciements, baissé les indemnités chômage, bref. On n'est pas dupes et on se souvient qu'il faisait partie de ce gouvernement. Et si on veut renouer la confiance avec les milieux populaires qui ont tant souffert, c'est en leur disant que si vous votez pour les candidats de l'Union populaire, à commencer par celui qui se plante à l'élection présidentielle, c'est des gens qui n'ont pas trempé dans tous ces mauvais coups. C'est des gens honnêtes. Et c'est des gens qui ont une idée très simple. Priorité aux plus pauvres. Et avec ça, pardon, on renoue avec, y compris des convictions spirituelles très profondes de certains d'entre nous. Oui, le pauvre. Vous savez, il y a des choses qui viennent de loin. Le manteau de Saint-Martin, coupé en deux, pour couvrir celui qui n'a rien. C'est ça, on vient de là. C'est aussi nous, les partageux. Ceux qui pensent que quand il y a tant de pauvreté dans ce pays et tant de richesses, partager, c'est une exigence. Et un candidat va porter cette idée-là dans l'élection présidentielle. À toi, Hugo, monsieur Bernard, ici. Un petit point à Jean-Claude, ici, parce que je parlais qu'il faut qu'on ouvre la salle dans 40 minutes et qu'il ne faut pas trop qu'on explose le temps, sinon on va avoir d'autres problèmes. Tout à fait, 2 minutes. Bon, voilà, ceci étant dit, vous savez les conditions chronométriques dans lesquelles nous nous situons. Ajoutez à ce que vient de dire Alexis, de rappeler que les plus pauvres et les plus précaires dans le pays sont les femmes.
c'est elles qui subissent le plus la précarité, c'est elles qui subissent le plus le temps partiel, c'est elles qui subissent le plus le fait d'être moins payées que les hommes. Et on vous l'avait dit, si on payait les femmes au même niveau que les hommes, alors on peut financer la retraite à 60 ans au moins à très court terme. C'est pas un truc qui finance jusqu'au bout, il y aura d'autres types de réformes à faire, par exemple le plein emploi. Ça aussi, ça permet de financer la retraite, puisque vous savez que ce sont ceux qui travaillent qui vont financer la retraite de ceux qui sont qui y sont. Tout ça, c'est extrêmement important. Et ce programme, l'avenir en commun, il est féministe, et il faut le rappeler à chaque instant de cette campagne. Oui, les femmes ont intérêt à voter pour ce programme politique, pour les raisons que j'ai évoquées et pour plein d'autres. Les services publics de proximité, le fait qu'on ait les moyens, que tout ne repose pas sur les femmes, y compris à la maison, dans le domaine de l'intime et du privé, dans la gestion des enfants, etc. Donc avoir des places en crèche, c'est important. Pas important juste pour les femmes, mais pour le couple et pour tout le monde. Et il faut se battre pour toutes ces petites choses. Et se battre aussi, parce que c'est de notre responsabilité, et il y a eu un mouvement de libération de la parole dans ce pays, tout de même, qui est extrêmement important. Je vous ai parlé de la justice tout à l'heure, on peut dire que la justice n'a pas brillé par sa prise en compte de ce phénomène-là. Ou plutôt, n'a même pas les moyens d'absorber la vague de libération de la parole. Et c'est aussi vrai, et bien plus, et surtout, pour ce qui est de la police et de la gendarmerie. Parce que la première étape pour les femmes dans ce pays, c'est quand même d'aller déposer plainte. Et quelle galère, on l'a vu, quelle humiliation, quelles conditions scandaleuses. Et ça a été le cas pointé à Montpellier récemment, vous l'avez vu dans l'actualité, où on renvoie les femmes tout court, on ne vous croit pas, et comment vous étiez habillé, etc., dans des conditions ignobles de prise en compte de la parole. Je le dis, notamment pour ces raisons-là, nous avons besoin d'une grande réforme de la police et de la gendarmerie dans ce pays. Nous avons besoin d'une grande réforme de la police et de la gendarmerie dans ce pays. D'abord pour les femmes, et ensuite pour tout le monde. Parce que, vous l'avez vu sur le mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez vu, le Christophe Castaner, les borgneurs, comme on l'appelle, dans le jargon. Vous avez dit, non, mais moi, j'ai jamais vu de policier qui attaquait des manifestants. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, quand les policiers font usage de la force, c'est toujours nécessaire et proportionné. C'est ce que prévoit le cadre réglementaire, c'est ce que prévoit la loi. Mais vous avez bien vu le contraire. Vous avez bien vu le contraire parce que des journalistes comme David Dufresne, on peut le remercier, ont habilement, méthodiquement, documenté une à une ces violences policières. Et on ne dit pas que ce sont tous les policiers qui se sont adonnés à ça, fort heureusement. Fort heureusement. Mais quand ça a été le cas, le pouvoir politique a fermé les yeux. Pire, il a couvert. Pire, ils ont osé nommer Didier Lallement préfet de police de Paris. Le même préfet qui, quand il était à Bordeaux, a couvert le fait qu'un député de la République, notre collègue Loïc Prud'homme, ait été matraqué à une manifestation alors qu'il était à plus de 400 mètres de la manifestation. Sur le trottoir, c'était documenté, filmé. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Classement sans suite, nous n'avons pas identifié les auteurs. Vous avez vu ce qui s'est passé pour Zineb Redouane à Marseille, où finalement le CRS a été identifié, mais pour ce qui est de l'enquête administrative, faite par qui? L'IGPN, je vous mets dans le mille, pas de suite disciplinaire, pas de sanction. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce que le témoignage du CRS sur lequel il se base pour lui dire du point de vue de l'IGPN qu'il ne doit pas être sanctionné administrativement, il a été identifié dans la procédure judiciaire que c'était un faux témoignage. Mais ça, l'IGPN, on s'en fiche. Et après, on s'étonne qu'il y a un problème de relation police-population dans le pays. Alors bien sûr, pas toute la police, pas toute la population, mais il y a un problème. D'ailleurs, ça a été identifié dans l'agenda médiatique. Alors assez peu, sous cet angle-là, je vous conviens, mais ça a été identifié. Et donc, nous avons besoin d'une police, je dis police au sens générique, un police gendarmerie, d'une police nationale, républicaine dans ce pays qui respecte au pied à la lettre la déontologie de ses actions. Et oui, un policier se déshonore quand il frappe un manifestant déjà immobilisé ou quand il frappe un jeune ou un moins jeune dans un quartier
déjà contraint par des menottes ou par ses propres collègues. Oui, c'est inadmissible. Et il déshonore la police dans son entier. Et il sape l'autorité de tous ses collègues, qui ensuite, pour remonter ça, vont galérer. Et galérer. C'est pourquoi, nous l'avons dit, nous reviendrons au code de déontologie de 1986, mis en place par Pierre Joxe à l'époque, qui prévoyait notamment dans ce code de déontologie que les policiers soient aussi des défenseurs des principes de la République. Ça a été viré. Vous vous souvenez qui a viré à faire un nouveau code de déontologie de la police? Non, je pourrais dire, pour faire, hein, n'oubliez pas trop, hein, il s'appelle Manuel. Enfin, ah, Manuel, merci. Il ne manque pas celui-là. Hein. Alors, cette police nationale de proximité, du coup, je viens de lâcher le mot, elle doit être de proximité. Ça fait partie des services publics, pour moi, de proximité. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il faut démanteler la BAC, la brigade anticriminalité, parce qu'aujourd'hui, la police de proximité, c'est la BAC. Et si vous avez vu le film BAC Nord, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, oui, ben, il faut démanteler les BAC. C'est pas ça, la police, même pour lutter contre les trafics. Parce qu'on nous dit, oui, mais c'est la BAC qui lutte contre les trafics, vous comprenez, la délinquance, les stupéfiants, tout ça, blablabla, la drogue. Mais je dois dire une chose, qui fait des enquêtes dans ce pays? Ça s'appelle la police judiciaire. D'accord? La police judiciaire, la direction centrale de la police judiciaire, c'est 5300 policiers. Les brigades anticriminalité, c'est environ 7000 policiers. La police aux frontières, cher à M. Zemmour et pour moi, à Macron et tout ça, la politique, 15000 policiers. Ok? Est-ce qu'on ne changerait pas un peu de priorité? Moins de police aux frontières, plus de BAC, une police nationale de proximité, essentiellement sans armes à feu, pour les missions de proximité, et plus de police judiciaire, d'enquête, sous le contrôle des magistrats, devenus indépendants, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, qu'on est rendu indépendants. Vous avez compris comment on remet les choses à l'endroit dans ce pays? Ça vous paraît évident? Voilà ce que je dois dire. Ce que je dois dire, quelqu'un qui se réclame de la gauche. Et tous les candidats qui se réalisent sont de gauche, c'est pas leur discours, hein, vous remarquerez. Et on peut parler de sécurité tranquillement, rationnellement, avoir un retour à la raison et être efficace. Et il n'y a qu'un seul candidat qui porte ça dans cette élection présidentielle, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et c'est le bulletin de vote que vous devez utiliser demain pour remettre à l'endroit les choses de la retour à la raison en matière de sécurité. J'achèterai d'un mot en vous disant que vous l'avez compris, Alexis l'a dit sur la question, parce que ça va coûter de l'argent pour ça. Hein. Mais on va savoir où le trouver. Il vous a dit tout à l'heure qu'il y avait de l'évasion de la fraude fiscale. J'ai rendu deux rapports sur le sujet. On sait exactement où est-ce qu'il faut embaucher des gens et où les mettre. C'est marqué dans mon rapport. Et le moment venu, on le fera. On le fera, et de manière déterminée. Et vous dire, vous renvoyez, vous regarderez sur les réseaux sociaux, j'ai fait une conférence une autre fois. Non, la sécurité n'est pas la première des libertés. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, ce n'est pas une liberté, la sécurité. C'est la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la liberté de sécurité, ça n'existe pas. Vous voyez, ça ne matche pas. En le disant, ça ne veut rien dire. Non. La première, ce qu'il faut dire, c'est pour remettre les choses à l'endroit. C'est la liberté et la première des sécurités. La liberté et la première des sécurités. Sinon, vous basculez dans un état totalitaire. Et c'est pas vrai que les états policiers et les différentes dictatures, où vous aviez des militaires ou des policiers à chaque point de rue, étaient si sécures, hein? Et le mot que vous devez retenir, c'est que ce que nous poursuivons, c'est un retour à la sûreté. Et de pouvoir ne pas être poursuivi arbitrairement, y compris par la police ou par la justice. C'est ça un état de droit, c'est ça une démocratie. Et pour ça, nous aurons besoin d'une réforme constitutionnelle. Je cède la parole, pour la dernière prise de parole, à Alexis Corbière. Merci. Pour la musique, sinon on va se faire gronder par des amis qui nous ont loué, prêté la salle. Je termine sur la 6ème République. Dans la constitution actuelle, celle de 1958, de la 5ème République, il est écrit notamment que le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est l'article 2.
souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants, etc. Ces idées viennent de loin, ce sont celles qui ont fondé la République, notamment dans cette journée de naissance de la République, en 20 septembre 1792, non célébrée dans notre pays, c'est curieux, c'est plein de choses qui passent. Rappelez-vous au passage que le 14 juillet 1789, c'est une journée passionnante, mais c'est un moment balbutiant, et que dans un premier temps, c'est une monarchie constitutionnelle, l'idée. Et que la République vient 3 ans plus tard. Il a fallu un processus, et notamment que la question sociale non résolue serve de moteur aux événements. Je referme la parenthèse historique. Actuellement, on est en 5e République. Ne perdez pas de vue que la 5e République, elle est née dans un moment de tension terrible du pays, au bord de la guerre civile, avec la guerre d'Algérie et la non-résolution de ce conflit colonial, et qu'il y avait une menace de coup d'état militaire, l'opération Résurrection, ça s'appelait, où il était prévu que des régiments de parachutistes, notamment, sautent sur Paris. Certains d'entre eux sont même allés en Corse. Et donc, sous la menace de ce coup d'état militaire, on a changé de constitution. Et certains secteurs, après foués d'ailleurs par le général de Gaulle, d'extrême droite, ont porté au pouvoir le général de Gaulle afin qu'à l'époque, pensait-on, il allait, avec la poigne qui était la sienne, résoudre le conflit algérien, notamment en maintenant l'Algérie française. Bref, les conditions de naissance de la 5e République sont intéressantes à observer. À ce moment-là, en plus, il était clair que, instruit par l'histoire du pays, il était hors de question que le président de la République soit élu au suffrage universel, en 58. Et il a fallu l'attentat du Petit Clamart, pour qu'à ce moment-là, le président de la République, général de Gaulle, qui avait une certaine autorité, et puis que le peuple en avait assez de cette affaire, la guerre d'Algérie commençait à être un peu réglée, a profité de l'occasion pour, par référendum, imposer un nouveau système de désignation du président par le suffrage universel. À l'époque, nombre de personnalités s'étaient indignées. Un personnage que vous avez sans doute oublié s'appelait Gaston Monnerville, président du Sénat, un homme à la peau noire. Gaston Monnerville avait parlé de forfaiture à l'époque. Et beaucoup de personnalités, et dont un qui fera parler de lui après, qui s'appelait François Mitterrand, expliquera que ces institutions sont le coup d'État permanent. Bref, ne perdons pas la mémoire quand même des conditions politiques dans lesquelles ces institutions sont nées, et du jugement que toute une série de gens en faisaient, de les critiques radicales que certains ont portées, qui d'ailleurs a amené à ce que, pour ce qui est de François Mitterrand, ça lui a permis quand même d'être porté par nombre de forces et de partis populaires, et devenir président de la République, parce qu'il avait été notamment l'homme d'un refus, celui des institutions de la 5e. Alors est-ce que vraiment aujourd'hui c'est par le peuple pour le peuple? Je vais vite. Imaginez, allez, je mets en monde science-fiction et je vais vous décrire une société. C'est un pays dans lequel il y a le personnage le plus important, on l'appelle le président. Il est élu dans une élection où au premier tour il a rassemblé 13% des électeurs inscrits. Et puis au second tour, on l'a opposé à quelqu'un de terrible, une femme d'extrême droite, et même là, il a obtenu 43% des voix des électeurs inscrits. Après, il y a eu une élection législative, où quand ses amis se sont présentés aux élections, ils ont obtenu, eux aussi, 13% des électeurs inscrits, mais ça leur a permis d'obtenir 57% des députés. Vous vous dites, là, Alexis est en train de nous raconter une société non démocratique, totalitaire, parce que le pouvoir, ceux qui l'exercent, bien ils sont élus par une minorité. Eh bien, ce que je vous ai donné là, ce sont les chiffres de la dernière élection de 2017. Reporté au nombre d'électeurs inscrits, Emmanuel Macron, au premier tour, a obtenu 13%, etc. etc. Je ne m'exclus pas de cette critique, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis député d'une circonscription élue avec 59% des voix au second tour, j'en suis très fier, mais si on le reporte au nombre d'électeurs inscrits, je suis élu avec seulement 21% des électeurs de ma circonscription. Et il s'avère que chez moi, il y a beaucoup aussi de gens qui n'ont pas le droit de vote. Et sans doute, 9 électeurs sur 10, 9 personnes sur 10 en âge de voter, n'ont pas voté pour le député que je suis. Ça rend modeste, dans ce coup. Mais ça, je l'applique à moi, pour que ce soit clair. C'est le cas des 577 députés. Donc nous sommes aujourd'hui dans ces institutions qui sont en vérité des institutions où ceux qui les animent sont totalement minoritaires. À l'occasion des dernières élections régionales, ici comme ailleurs, 70% d'abstention. Celles et ceux qui ont été élus peuvent être très fiers de leur victoire, généralement ils ont été reconduits, mais ils ont été élus avec seulement 30% de participation et en vérité autour de 15%
les exprimer, c'est de dire il y a un segment extrêmement minoritaire du nombre d'électeurs inscrits, mais extrêmement minoritaire. Les amis, quand on est attaché à la souveraineté du peuple, ce constat-là ne peut pas être dans l'angle mort du raisonnement. Parce que si on le banalise, ça amène une violence. Beaucoup de gens disent « mais vous ne nous représentez pas ». Et ils ont raison. L'ultra grande majorité des gens n'ont pas voté pour ces représentants. Et donc c'est un facteur de tension extrême quand précisément, comme le décrit Hugo, vous avez des mobilisations sociales, réprimées, etc., etc. Toute société démocratique doit fonctionner sur un consentement à l'autorité. Le consentement à l'autorité, la confiance dans les institutions, l'idée que même si celui ou celle qui a été élu n'est pas de mon camp, mais j'accepte la politique qu'il mène, parce qu'effectivement il y a eu une mobilisation importante du peuple et le souverain s'est exprimé, je m'incline. D'accord ? On est passé du monarque, c'est ça toute l'idée de la révolution. La couronne est passée de la tête du roi, elle est passée entre les mains du peuple. La souveraineté populaire. Mais le peuple, quand il vient pas, il n'y a plus de souveraineté. Et il n'y a que des fous autoritaires qui peuvent se dire « on s'en fout, il n'est pas venu hein, !» C'est la célèbre... c'est Bertolt Brecht qui disait ça quand les Staliniens, en 1953, avaient envahi je ne sais plus quel pays, ils disaient, imaginez, c'est la Hongrie. Et ils se moquaient du bureau politique, des communistes en l'occurrence, qui disaient « le bureau politique a décidé de dissoudre le peuple, en désaccord avec lui, parce que le peuple, bon... » Non mais cette affaire, elle est majeure, donc comment on fait? Alors pourquoi il y a de l'abstention? Il y a deux raisonnements. Petit un, les raisonnements du petit bourgeois. Les gens sont cons. Bougez-vous, les gens. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Putain, ils s'intéressent à rien. Hein. Soit alors, quelqu'un qui connaît sait que véritablement, cette mise à distance n'est pas une forme de gens-foutis. C'est même parfois, je caricature un peu, même parfois une haute idée de ce qu'est le vote et leur bulletin. Et précisément parce qu'ils ont une haute idée, ils ne veulent pas le donner à n'importe qui. Ils sont dégoûtés. Et vous connaissez l'adage. Quand les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Quand le peuple n'est plus là, ceux qui viennent ou ceux qui veulent profiter de ce peuple abstentionniste ne sont pas les plus glorieux. Surtout s'ils pétaradent en disant « j'ai été élu sur la base de mon magnifique bilan de présidente ou président de région ». Non, on regarde la réalité. Donc comment on refonde ça? On refonde avec l'idée que d'abord c'est au peuple de se mêler de sa affaire. Je vais vous le dire à grands traits. C'est au peuple de se mêler de son affaire, de rediscuter de quelles sont les règles démocratiques. C'est un désaccord avec tous les autres candidats, tous les autres candidats. Déjà, il y en a certains qui disent « on touche pas aux institutions ». Il y en a un, il avait une phrase géniale, je vais vous la citer parce que je l'aime bien. La phrase est le bonhomme, vous allez l'adorer aussi. Lui, il disait à propos des institutions de la Ve République, il disait ce qu'elles ont de bien, c'est que, je le cite, « même un président impopulaire peut agir avec une grande capacité, une grande liberté ». Ce qui fait la différence avec nos institutions et celles de nos pays voisins. Lui disait ce qu'il y a bien avec nos institutions, c'est même quand tu es impopulaire, c'est entendu, même quand le peuple n'est pas avec toi, tu peux agir. Celui qui dit ça, c'est François Hollande en 2015. Donc voyez à quoi vous en êtes arrivé, parce qu'impopulaire, ça veut dire que le peuple est contre toi. Ça veut dire que lui considère que ce qu'il y a bien dans les institutions, c'est que tu peux même gouverner contre le peuple. Voilà où on en est. Donc il faut, quand je reprends le fil de ce que je disais, ça ne va pas être. Déjà, il y a ceux qui disent « vive la Ve République ». Il y a ceux qui disent « faudrait changer, mais regardez de près ce qu'ils proposent des fois. Hein. » Le septennat non renouvelable. J'ai vu ça chez Arnaud, il est pour la Sixième République, j'ai vu. C'est triste ce qu'il propose, en vérité. Alors qu'il a porté cette idée, il l'a porté avec Brio d'ailleurs à une époque. Il est pour le septennat non renouvelable. C'est un peu court. Il est pour réduire le nombre de députés. On dirait Macron. Le problème, c'est pas le nombre de députés. 577 députés, c'est peu ou prou. Pendant la Révolution française, il y en avait 586 députés. Bref, c'est pas le nombre de députés, c'est des pouvoirs qu'ont les députés. Pour en mettre 600, 200, 100, 50, je m'en fous. La question, c'est quel est le nombre, c'est pas le nombre. Qu'est-ce que cette démagogie comme quoi il y aurait trop de députés en France? Toute une petite musique, ça nous coûte trop cher, tout ça, c'est des conneries. Je veux dire, en quoi vous êtes, ça va être mieux s'il y a moins de députés, si en gros, moi encore, je suis dans des centres urbains, mais alors le type, il est élu quasiment un député pour tout un département. Il y a 50 communes, en fait, il n'est jamais là. En fait, tout ça est absurde. En fait. Je veux dire, il n'y a rien de vertueux à dire que c'est en réduisant le nombre de députés qu'on va régler le problème. Ça n'a pas de sens. La question, c'est quel est le rapport entre le mandant et le mandataire, entre le peuple, entre celui qui décide et celui qui le représente. C'est toute la question. C'est une question vieille, là encore, de même durant la Révolution française. Il y avait des assemblées communales. On appelait ça les commis de confiance, les représentants du peuple. Et ils étaient contrôlés par ceux qui les désignaient.
Donc la question, c'est quoi le rapport? Donc si, à cette occasion, de refonder de nouvelles institutions, c'est pas un élu qui va dire, voilà, le texte que je vous propose n'est pas un référendum, vous allez répondre de manière binaire, oui ou non, à ma réforme des institutions. Et nous pensons que c'est au peuple de rediscuter de cette affaire. Par l'intermédiaire de quelque chose qui n'a rien de baroque, qui n'est pas le truc fumeux, qui n'a rien à voir avec l'histoire de France, l'Assemblée constituante, il y en a eu 4 déjà dans notre histoire, 4. Notamment, on en a convoqué une, l'Assemblée constituante, après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont travaillé pour proposer les institutions de la 4ème République et le premier texte, le peuple l'a rejeté. Ils ont retravaillé. Donc on sait faire. On élirait des députés constituants et puis ils se mettraient à travailler. On a un calendrier qui est en tête. Le président de la République est élu. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il y a des élections législatives qui suivent. On va le faire avant de le dire. Il y aurait ensuite des institutions, des élections législatives classiques qui auraient lieu. D'accord ? Et puis après, le 14 juillet, le président Mélenchon soumettait à un référendum l'idée. M'autorisez-vous ou pas à convoquer des élections pour élire des députés constituants? Le 14 juillet, le peuple français dirait oui ou non. Si le peuple dit non, bon, on est emmerdé. Mais il est souvent. S'il dit oui, au mois de novembre, élection de députés constituants. Grand débat dans tout le pays, septembre tombant, élection de députés constituants. Comme il y a la question qui est posée aussi que ce soit un représentatif, on n'est pas. C'est une idée que nous, on met dans la balance, mais il pourrait y avoir. Chaque liste présenterait des candidats députés constituants, les insoumis ou les unions populaires auraient leur liste, tout le monde aurait sa liste. Les anciens marcheurs qui seraient encore là sans doute auraient leur liste, les amis de Mme Le Pen auraient leur liste, etc. Chacun, et il y aurait un débat dans le pays, voilà nous le type de réforme constitutionnelle qu'on veut faire, voilà des droits nouveaux qu'on veut accorder. Il y aurait des députés qui seraient. Et nous on est favorable à cette occasion, il y a aussi un bulletin à côté qui dit ceux qui sont pour un tirage au sort, et s'il y a un nombre, je ne sais pas, 10-15% d'électeurs qui ne choisissent pas dans toutes ces listes, mais qui veulent qu'il y ait des députés tirés au sort, qu'éventuellement, selon le nombre qu'on obtient, eh bien 10 ou 15% de cette assemblée constituante soient aussi composés de gens tirés au sort. Je n'ai pas le temps de développer, mais l'idée de tirer au sort, moi, au départ, je ne suis pas tout à fait favorable, mais j'avoue que, pour avoir des gens qui travaillent là-dessus, que c'est vertueux dans le sens où ça fait venir à la politique des gens qui, souvent, sociologiquement, socialement, sont, et que c'est vertueux qu'il y ait une assemblée où il y ait des gens. Bref, c'est le peuple qui déciderait. Et après, elle travaillerait, et l'idée, c'est qu'au bout de 2 ans de travaux, eh bien, elle soumettrait au peuple, ou pas, elle soumettrait au peuple ses résultats, et le peuple dirait, on adopte, ou le peuple dirait, vous avez mal travaillé, on repartait au travail. Ben, vous voyez l'idée. Ça permet quoi de se refonder politiquement, que le pays rediscute de ce pourquoi il veut être ensemble. Et on pourra aborder toutes les questions. Ça permettrait de donner donc des droits nouveaux. Moi, j'ai la conviction que, notamment, cette blessure civique, ce dégoût que beaucoup de gens ont envers les élus pourrait être modifié s'il y a le droit d'évoquer les élus. C'est vrai quoi le système en gros? À partir de la mi-mandat, si un certain nombre d'électeurs le décident, on fixerait un seuil, 10, 15%, que sais-je, eh bien on peut éventuellement, Monsieur Corbière n'a pas bien travaillé, on veut le virer, eh bien si un certain nombre d'électeurs de sa circonscription disent on rediscute, eh bien on referait le vote. Pas un truc de bordel permanent, un truc qui serait pendant le mandat une fois, et puis avec un nombre d'électeurs significatifs qu'ils convoqueraient. Ça existe, hein, ce que je vous dis existe déjà dans le propre pays d'Amérique latine, ça existe dans un État aux États-Unis, etc., etc., etc. Les droits de l'ORI, du référendum d'initiative citoyenne. Bon, je ne développe pas plus, vous voyez l'idée que le peuple reste acteur, pas un gamin en culotte courte qui, entre deux élections, a juste le droit de rentrer chez lui. Voilà. Et à cette occasion, je terminerai vraiment là-dessus, parce que je suis en Bretagne. C'est ma conclusion. Y compris les questions de langue régionale, les amis. Parce que je sais que dans la salle, on a des opinions parfois différentes là-dessus. Je sais que certains parfois ont pu considérer, y compris moi-même, j'avais des mots qui étaient incompris par rapport à ça. Mais même cette affaire-là pourrait être discutée à l'occasion d'une assemblée constituante. Quelle est la place qu'on donne aux langues régionales, à ce patrimoine régional? Moi, je veux que les choses soient claires, je suis favorable à ce que nous aidions à ce que ce patrimoine continue d'exister. Je suis favorable à ce que dans le cadre du service public, il y ait des postes qui soient ouverts, de CAPES, pour que ces langues, et en l'occurrence le breton, continuent d'exister. Je suis favorable à ce qu'il y ait des politiques publiques de culture qui soient là pour permettre que ça... Après, je sais que surtout, il peut y avoir des discussions entre nous, mais même cette affaire peut être discutée dans le cadre d'une assemblée constituante. Ce que je veux dire, c'est ma conclusion. Même si des gens ne sont pas totalement en accord avec la totalité de notre programme, je les invite à voter quand même pour le seul candidat qui dit « Votez pour le dernier président de la 5e République ». Redonnez la parole au peuple. Vous pouvez peut-être ne pas être totalement d'accord avec ce qu'on a fait. Vous nous soucions, on en fait trop, on n'en fait pas assez, etc. Mais au moins sur cette question-là, au moins sur celle-là, de quelqu'un qui dit si moi je suis élu, je redonne la parole au peuple et je m'engage à ce qu'il y ait une assemblée constituante et qu'on rediscute tout ça. Voilà les amis, ça fait beaucoup de raisons, me semble-t-il, de voter Mélenchon. C'est la raison pour laquelle maintenant ce qui nous reste, c'est mener campagne en remerciant tous ceux qui ont organisé cette belle après-midi.
parce que je sais qu'il faut rendre la salle. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été si nombreux. On a beaucoup de travail devant nous. On a des signatures de maire à aller chercher. Restez-nous là, s'il y a des tâches, il va falloir aller voir les maires des petites communes et tout pour vérifier que la 5ème République aussi ne s'en va pas contre nous. Merci à tous et bon courage, merci. On va gagner. Vous